ma chaîne Clarisse German Painting. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors, normalement, il y a trois toiles, sauf que j'en ai reçu que deux. Donc, je vais vous montrer les deux premières et la troisième, je la mettrai à la suite quand je l'aurai reçue. Elles ne viennent pas du même vendeur, hein. Ces deux-là que j'ai reçues, elles viennent du même vendeur, mais la troisième, non. C'est juste parce qu'elles sont toutes les trois sur le même thème. Donc, je vais vous faire qu'une seule vidéo au lieu de vous en faire, trois, quoi. Voilà. Donc ce sont trois petites toiles, non, de toiles taille moyenne, je pense, c'est des 30 par 40, il me semble. Toujours en diamant rond, si je ne me suis pas, enfin, si le vendeur ne s'est pas trompé, parce que moi je prends toujours du diamant rond. Donc c'est très très bien emballé, hein, dans les petites bulles comme ça. Là. On va jeter ça. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est couchée, donc j'ai le babyphone à côté de moi. Non, moi, clairement, je m'en fiche de casser les bulles, hein, je ne réutilise pas, donc je n'en vois rien, donc j'en ai pas besoin. Donc, ce sont des toiles de la Reine des Neiges. J'ai pas tous les Disney, les Disney j'aime bien, mais j'avais pas encore la Reine des Neiges, donc je me suis dit, attends, j'ai hésité longtemps, parce qu'il y avait pas de toile qui me plaisait, la Reine des Neiges, et là j'ai vu celle-ci, donc je me suis dit, allez, on y va. Donc déjà, oh, ils sont jolis, les petits pains de colle. Donc, hop, alors le toolkit de base avec un joli pain de colle en cœur, j'en ai encore jamais eu, c'est la première fois. Un stylet, une petite mousse et une pince et la barquette. Il est joli le petit pain de colle. Et le deuxième c'est le même, hein, parce que ça vient tous les deux du même vendeur, donc le deuxième c'est le même. Donc j'ai la petite feuille de suivi à l'intérieur, c'est nickel. Donc il y a une 30 par 40 et une 40 par 50. Et donc tous les deux sont en diamant rond. Donc je peux déjà vous montrer les diamants. Donc ça c'est la. Ça c'est la 30 par 40 dans à peu près les diamants. Hein. Vous savez, je déballe pas. Il y a beaucoup de bleu, hein. C'est la Reine des Neiges. Hein. Je vous montrerai le dessin après. Et celle-ci, c'est en 40 par 50. Alors, on va voir les poils. Du coup, on va faire ça sur le côté. Donc, elles sont emballées dans un tube. Hein. Hop, la première, la petite. J'essaye d'enlever le scotch. Bon, c'est madame qui ne coupe pas. Parce que je veux bien que je suis pas douée, mais là, c'est même pas être douée, c'est que ça coupe pas du tout. C'est madame qui coupe pas. Je pense qu'il va falloir que je la change. Hop, excusez-moi. Surveille le bébé en même temps. Hein. Alors. Donc c'est la petite toile en 30 par 40, celle-ci. Je vais vous mettre sur pause, je reviens. Hop, me revoilà. Donc la toile là, c'est en 30 par 40, celle-ci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Hop, je vais sortir la petite barquette pour étaler, pour remettre la feuille. Ça a l'air d'être un beau pain de colle, hein, quand même. Il a l'air très épais. Hop.
Alors, on va ouvrir tout ça. Ah bah là j'ai la colle qui vient avec la feuille. On va essayer de l'ouvrir de l'autre côté. Ouais, c'est hop. Ah bah ça va être joli tout ça. Ouais, bah il n'y avait pas vraiment besoin de la prendre en plus grand. C'est un joli dessin. Ouais. Ça me paraît bien. Enfin moi en tout cas ça me va après. Ça dépend toujours des personnes. Hein. Mais moi personnellement, ça me va. La taille me va très bien. Bah ça colle. Ça colle bien, ça va. Hop, on va recoller. On va ouvrir de l'autre côté. Je vais vous montrer l'image de plus près après. Hop, on décolle ce côté-là. Hop. Et la troisième, ça doit être une 40 par 50 aussi, il me semble, ce que je peux recevoir. Hop. Alors, je vous montre le dessin de plus près. J'essaye avec la lumière, c'est un petit peu. Ah, je vais y arriver. Hein. Attendez, je vais éteindre la lumière. Peut-être que vous verrez mieux en éteignant la lumière. Bon, à peu près. Hop. Hop. On va faire la deuxième. Donc celle-ci, c'est la 40 par 50. Toujours en train de me battre hein, avec le scotch et mon cutter. Hop, voilà. Ce cutter que j'utilise, c'est celui-là, hein, ce qu'on a sur AliExpress, pas très très cher. Hop. Et j'ai eu un lot de 10 lames avec. Moi, je l'ai pris de cette couleur-là. Vous avez le choix des couleurs. Hein. Je l'ai eu à 1 euro quelque chose, il me semble. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. S'il est toujours disponible chez le vendeur que j'ai pris, je vous mettrai le lien. Hop. Alors, celui-ci, c'est celui en 40 par 50. J'ai perdu le petit bout là. Hop. On va ouvrir ce côté-ci. Je m'en doutais, la feuille s'est déchirée. À chaque fois, ça m'arrive, ça. Ça... Oh, il est beau celui-là, en 40 par 50. Donc, vous pouvez voir un beau là, l'image. Donc c'est Anna, Elsa et Olaf. La précédente, c'est juste Anna et Elsa.
Hop. J'espère que la feuille va pas se déchirer de ce côté-ci. Ah ouais, il va être beau celui-là, encore 50. J'ai bien fait de le prendre aussi grand. Est-ce que vous voyez la deuxième partie? À peu près, comme ça. Hop. Il va être beau en 40x50 celui-là. J'ai des rivières, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Ah, ça colle très bien. Quelques petits ciseaux, mais ça devrait le faire. Hop, on remet la feuille. Donc c'est tout pour cette première partie, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Donc reçu ma troisième toile, donc je vais vous la présenter tout de suite. C'est toujours la Reine des Neiges, hein, comme je vous avais dit. Hop. J'en ai vu une quatrième qui est jolie, mais je vais m'arrêter là parce que sinon, commander, je vais finir par plus m'arrêter. Donc c'est aussi une 40x50 en diamant rond et elle a 22 couleurs. Par contre 40x50 elle me paraît vraiment très grande. Alors c'est moi qui... Hop, avec le truc qui... Donc le kit de base, c'est le kit de base, hein, barquette verte, stylet, pain de colle et il y a quelques sachets. D'ailleurs, je vais sortir la barquette pour remettre le... Touche pas ma puce. Pour remettre le film de plastique. Donc les diamants, ce sont des diamants ronds. Hein. Il y a beaucoup de bleu, comme vous pouvez voir. Je vais baisser un peu la luminosité. Si je trouve mon petit bouton, hop. On va baisser un peu. Bon, je peux pas bien vous montrer, mais bon, ce sont des diamants ronds et voilà à peu près. Il y a 22 couleurs. Alors, pour la toile, il y a sa colle très bien. Je vais juste remettre, pour enlever les plis, je vais remettre la feuille. Donc c'est aussi la Reine des Neiges hein, qui est très très sombre, mais bon, trouvez jolie l'image, donc tant pis, on va manger du sombre et puis ça ira très bien. Ce que vous entendez derrière, c'est ma fille. T'as pris quoi là? Tu donnes à maman? Donne à maman. Hop. Touche pas. Donc je vais vous la montrer de plus près. Enfin, normalement il n'y a aucun risque avec ça, c'est une colle coulée, c'est pas une colle double face, donc au niveau rivière et tout ça craint rien, donc mais bon j'essaye de remettre bien quand même. Hop. Voilà.
voici. Je vais éteindre la lumière parce qu'avec le reflet de la lumière. Chut. Avec le reflet de la lumière. Hop. Voilà, on voit un peu mieux. Est-ce que j'ai la petite image? Oui, j'ai la petite image là. Je vais vous montrer la petite image. Voilà. Hé, hey, Cléa. La petite image. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.